Morgen, allez, Yidel, mais tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Ben Rabbi Ben Yisraël, Bevinin, David, Mazal Kritna, Dvorah, Bat Esther, Amram Yonah, Ben Chana et Shimon, Ben Yelou, et Koka. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez dans 5 minutes éternelles. Nous étions Masrat Kdouvot Perek Dalet, Mishnah Yudvet. At Tehe Yatva Beveiti ou Mitazna Minechasai, Kol Yeme Migad Al Menutich Beveiti. Migar, Migar, il y a une guerre dans le Gemara. Achayav, Shehu, Tnai, Bet, Din. Kach, Ayu, Anche, Yerushalayim, Kodvin. Anche, Galil, Ayu, Kodvin, Ki, Anche, Yerushalayim. Anche, Yehuda, Ayu, Kodvin. Anche, Yirtsu, Ayu, Urshim, Liten, Lichtuvatich. Les Fikach, Yemrasu, Ayu, Urshim, Notin, Lichtuvata, ou Potrin, Ota. On va conclure maintenant cette Mishnah, là, on a, ça veut dire plusieurs Mishnah, donc on a découvert toutes les conditions qui étaient écrites dans l'Aktuva, les engagements que le mari a envers sa femme. Toutes sortes d'engagements, de la nourrir, de la. De la sauver de captivité, de la guérir, ouais, des engagements face aux enfants qu'il va avoir avec elle, et des filles qu'il va avoir avec elle aussi, il est engagé de nourrir, et puis, toujours la Mishnah nous présente, la Mishnah quelque chose de, une situation un petit peu particulière, c'est qu'en fait, il a oublié, c'est que quand ils ont écrit la Ktouva, ils ont oublié d'écrire cette phrase-là, la Mishnah nous dit, sache qu'elle est quand même engagée par la phrase, même si ils l'ont pas écrite dans le contrat, parce que, Chachamim ont instauré, que le mari a ce devoir-là, même si on oublie de l'écrire dans la Ktouva. Et concrètement, la dernière condition qu'on va découvrir, c'est quoi ? At te yatva beveti ou mitazna min chasai. Il lui écrit à la femme, toi, tu t'installeras dans ma maison, et tu seras nourri par mes biens. Kol yeme megad ou megar al menutir beveti. Tant que tu resteras en tant que veuve, ou que tu habiteras en tant que veuve dans ma maison, il a bien dit, Khayav, il est engagé quand même par cet engagement parce que c'est un Tnaï Beddin. Concrètement, le mari, en fait, ça se fait comme ça. La femme n'hérite pas du mari. Le mari hérite sa femme, la femme n'hérite pas du mari. Pour qu'une femme, après le décès de son mari, ce qui lui reste dans la main, c'est uniquement sa Ktouva. On s'est engagé que quand je me suis marié, que le jour où il y a quelque chose qui se passe, que je la divorce, ou que, après 120 ans, eh bien, je devrais lui laisser une certaine somme, et c'est fini, elle prend cette somme-là. C'est tout ce qu'on s'est engagé, c'est tout le devoir du mari qu'il a envers sa femme, premièrement. Maintenant, malgré tout, donc lorsque le mari décède, en fait, il a laissé 1 000 000. Il s'est engagé à donner 50 000 à sa femme, le jour du décès. Pour le moment, la femme ne va pas prendre ses 50 000. Pour le moment, si elle veut, elle reste dans la maison du mari, elle reste la veuve. Les biens du mari, le million qu'il a, on les met pour produire des dividendes. Ça va gagner des gains, et avec ça, elle va manger. Le jour où la femme, maintenant, elle va s'intéresser à se remarier, dès qu'elle va s'intéresser à se remarier, on va dire, ah, ça y est, maintenant on va prendre du million, là, on va lui retirer 50 000. Prends maintenant cet acte ou va, donne aux héritiers tous ces biens-là, maintenant, qu'ils en profitent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec. Ok? Ça, c'est comme ça que ça se passe, initialement. Et, ouais, alors, maintenant, c'est ça qu'on va découvrir, en fait, il y avait deux usages, en fait. Car, et donc, il écrit clairement, tant que tu veux rester veuve dans la maison du mari, on est obligé, nous, de te nourrir. Les héritiers ne peuvent pas prendre tous les biens du père et les dilapider. Ils sont obligés de laisser une part de quoi nourrir cette femme-là, jusqu'à ce qu'elle décidera ensuite de partir prendre son mari avec quelqu'un d'autre. Kach ayu anche Yerushalayim kodvim. Tel était l'usage des gens de Yerushalayim d'écrire. Anche Galim ayu kodvim kanche Yerushalayim. Et les gens du Galil, de la Galilée, du Nord, avaient l'usage aussi d'écrire de la sorte à leur femme. Tandis qu'anche Yehuda ayu kodvim, en Yehuda, en Judée. Dans les Eretz Yehuda, qui est plus autour du Yerushalayim, mais de plus loin, quoi. Plus le sud, en fait, il y a Mamelach, la mer morte et tout ça, là, tout ça. Et alors là-bas, ils avaient l'usage d'écrire un petit peu différemment. Ayukudvim, Achirtsu Ayurshim l'Itan Lichtuvatir. Ils écrivaient à la femme que tu resteras et tu seras nourri jusqu'à que les héritiers décident de te donner la dot, la Ktouva. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, la femme, elle ne peut pas décider de rester jusqu'à 120 ans de son plein gré. Je veux rester, je veux plus me remarier, je veux rester la veuve de mon cher mari. Et elle va rester comme ça pendant des années et qu'eux, ils sont obligés de casquer et de payer. S'il va, lui dit, écoute, ça fait déjà 5 ans qu'on t'entretient, c'est bien, c'est gentil. Maintenant, écoute, le papa, il s'est engagé qu'il te donnera 50 000. Prends les 50 000 et shalom à Israël, rendez-vous au prochain Gilgul. Et pour le moment, ils ont la possibilité de mettre un terme. Tandis que d'après le premier usage d'Anjei Yerushalayim, Anjei Galil, il n'avait pas la possibilité, tant qu'elle voulait rester ici, la veuve du mari, elle avait l'obligation d'être logée dans la maison du mari, parce qu'elle a écrit « Beiti, dans ma maison ».
elle reste logée dans la maison du mari. Et en plus de ça, elle mange sur le compte du mari, comme si elle était encore vivante. En fait, elle devra assurer tous les biens, ils devront assurer qu'elle perçoive systématiquement ces engagements-là, d'accord? Et donc, par contre, comme on a dit, un Tchéyouda qui n'écrivait pas de la sorte, alors ils avaient la possibilité ensuite de couper terme, de payer la Ktouba, les Fikar, c'est pour cette raison, Imratso Yorshim, si les héritiers ont voulu, Notnin la Ktoubata, ils lui donnaient d'un coup toute la Ktouba, ou Potrinota, ils se débarrassaient d'elle, c'est un peu méchant, et comme ça, ils s'acquittaient d'elle face à cet engagement-là, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Sela.